Alors mardi, c'était la journée de la femme. Et une étude vient d'être publiée, Kevin, qui démontrerait que ce sont les femmes qui tiennent les cordons de la bourse. Exactement. Et de manière un peu plus large, il faut savoir que 3/4 des décisions qui sont prises au sein d'un foyer, au sein d'un couple, seraient prises par les femmes. Donc ça concerne évidemment l'éducation des enfants ou le programme du week-end, mais surtout les dépenses et tout ce qui tient de la consommation, comme la composition des repas, le choix de la destination des vacances, entre autres, ou la décoration de la maison. Et les hommes auraient complètement perdu le pouvoir. Voilà, on a lâché en tout cas cette piste. Alors en Alsace, qu'est-ce que ça donne, hein. Alors en Alsace, j'ai tout simplement été demandé aux femmes si elles se sentaient justement une nouvelle chef de famille, savoir un petit peu comment ça se passait. Donc elles m'ont dit si elles géraient leur budget et surtout de quelle manière elles le faisaient. À quelle heure il faut coucher les filles? Qu'est-ce qu'on va manger à midi? C'est des trucs qui n'ont pas d'importance, qu'on aime bien gérer, qu'on aime bien contrôler. Le chef de famille, c'est lui. C'est moi le chef de famille, oui. C'est moi qui prends pratiquement toutes les décisions. La femme, elle a autant à dire, d'après moi, que l'homme. Hein. Pourquoi ce serait le monsieur qui le fait? Mon mari, il a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Et non, il me fait confiance. On a un budget de maximum 130 euros par semaine, pour 4. Donc j'ai la liste, je regarde les prix, je mets plus d'1 heure à faire les courses. Je me fais un budget par semaine, voilà. Je sais que je dois dépenser à peu près tant par semaine. Je fais des postes en fait. Je fais un poste alimentation, je fais un poste maison, plus pour les dépenses vraiment de la maison. On fait un poste loisir, on fait un poste dans le loisir, il y a les vacances, il y a les sorties. Voilà. Donc alors en fait, vous avez croisé des ménagères et vous êtes en train de nous dire maintenant que c'est effectif, elles portent la culotte. Elles portent la culotte, elles gèrent le budget, c'est une vraie responsabilité. C'est pas si facile que ça, il faut considérer les entrées d'argent, les sorties, faire des choix justement. Et pour vous aider mesdames, il existe des formulaires de budget du ménage qui se présentent sous cette forme. Donc vous pouvez entrer par exemple la facture de téléphone, les dépenses concernant l'essence, etc. Donc ça, vous pouvez vous le procurer dans les banques, hein, ils vous feront un plaisir de vous aider à gérer vos budgets. Ou vous pouvez télécharger ce genre de modèle sur internet tout simplement pour vous aider à faire vos budgets. C'est quoi ces courses, électricité, c'est toutes les petites factures? Électricité, les salaires, les entrées, les sorties cinéma, les soins médicaux, etc. D'accord, le bus pour les enfants. Alors il y a également des logiciels sur le marché qui existent. C'est à peu près le même principe que ça, sauf que c'est informatique. Vous entrez vos dépenses, vos sorties, et le logiciel vous alerte quand vous êtes dans le rouge. Il établit aussi même des camemberts, des graphiques, etc. Donc c'est des logiciels qui sont payants, qui coûtent à peu près à l'abonnement 3 ou 4 euros par mois, mais il en existe quand même des gratuits, vous n'aurez pas beaucoup de mal à en trouver sur internet. Alors si on n'a pas imprimé cette feuille, si on n'est pas très bon en informatique, autrement dit si on ne va pas chercher le logiciel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a l'État qui prend la main. L'État français nous aide avec notamment un site internet qui s'appelle monbudget.famille.gouv.fr. Ça s'affiche en dessous de l'écran, qui vous donne des conseils pour ne pas vous endetter, on va dire, dans les crédits ou pour économiser. Et si c'est encore plus grave, si la situation est encore plus grave que vous n'y arrivez pas du tout, il y a des personnes qui peuvent vous aider dans les cas vraiment critiques. Ça s'appelle l'aide à la gestion du budget de la famille. C'est le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale qui organise ça. Et une personne vient chez vous physiquement vous aider à gérer votre budget. Donc on a parlé des femmes, c'est confirmé, c'est elles qui tiennent les cornes de la bourse, c'est pas les garçons. C'est pas les garçons, mais c'est vrai que si on regarde un peu mieux justement ce sondage, 3/4 des femmes achètent, font des dépenses, mais c'est vrai qu'elles achètent plutôt des yaourts, des lampes de chevet. Les hommes, eux, ils achètent la maison, l'ordinateur, la voiture, etc. Les choses, on va dire, les plus importantes. Donc je ne suis pas sûr que les qualités des sexes soient encore présentes. Moi, je fais un caddie, il n'y a rien dedans et ça me coûte toujours la peau des fesses. Ben voilà, c'est parce que tu n'arrives pas à consommer, tu ne sais pas gérer ton budget correctement.